so long. It's true. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. So come on. L'influence du passé et de l'histoire personnelle de chacun, c'est évident que ça joue. Parce qu'on a connu un premier échec, on n'a pas envie d'en avoir un second. Moi, dans mon cas perso, je pense que ça m'a desservi l'histoire de mon passé. Parce que j'ai l'impression que je suis tombée que sur des gars qui m'ont trompée. Et du coup, je pense que j'ai peur qu'on me quitte dès que je suis avec quelqu'un. Je pense que j'ai toujours eu peur de ça et j'ai toujours eu peur finalement de l'infidélité. Et du coup, j'y ai jamais échappé. Et ça m'a vachement pas aidé pour la suite parce que je me suis dit, le prochain, je fouillerai dès le départ. Donc c'est ça qui a fait que mes relations d'après, j'étais vachement... J'analyse tout en fait. Si tu connais son passé, que tu l'aimes. Si tu découvres son passé pendant que tu l'aimes, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Ça peut changer la donne. Parce que tu sais comment tu fais quand tu dragues, tu roules toujours un petit peu les... Tu vois, on dit un peu les angles, quoi. On connaît tous, tu vois. Et puis après, tu découvres vraiment la vraie personne, quoi. Mais en vrai, on est tous là à s'adapter. Hein. Mais tu te dirais, si elle te dit pas qu'en fait, elle s'est tapée ton meilleur pote et que tu t'en rends compte, ça te foutrait les boules, quand même. Tu vois ce que je veux dire, pourquoi? Parce que tu te dirais, tu sais quoi, elle me l'a pas dit parce qu'elle m'aimait, elle me l'a pas dit parce que... Mais pourquoi ce serait important pour toi? Je sais pas, je pense que ça peut être galère, quoi. Pourquoi ça serait important pour moi? Tu sais, comme on est orgueilleux quand même, les hommes, hein. Après, voyons, tu vois comment on est, quoi, tu vois. C'est pas de la compétition, quoi, mais on est un peu orgueilleux, tu vois, on aime bien... Tu vois, t'as pas envie d'être en concurrence avec ton meilleur pote, quoi, pour savoir qui c'est qu'on va à la meilleure session, quand même. C'est génial. C'est vrai, quoi. Faut peut-être pas tout savoir. Le passé, il est là, on sait. Aujourd'hui, on n'a pas 18 ans. La personne, elle a forcément des aventures. Elle a eu d'autres personnes avant toi. Et il faut la prendre avec ça. Et t'es pas obligé de savoir avec qui elle a fait ça, et avec qui elle a fait ça, et avec toi, elle a fait ça. Sinon, forcément, tu vas rentrer dans un truc de comparaison. Ah ouais, alors avec elle, t'as fait ça, et avec moi, tu veux pas faire ça. Et on n'est plus à la même période. Enfin... C'est plus ça. Après, non, il n'y a pas de... Après, ouais, quand t'es en couple, quand même, non, on est dans l'exclusivité, quand même, non. Enfin, je partage pas, on est d'accord, c'est bon. Enfin, ça, j'ai donné, hein. Je veux être la seule femme de mon homme. J'ai pas envie qu'il en ait 10 en même temps. Maintenant, faut accepter qu'à un moment donné, il en ait eu 10 en même temps, ou qu'il... Voilà. Maintenant, il peut peut-être enrayer certaines de sa liste aussi. On est d'accord. Tu penses qu'on a besoin d'être l'unique pour l'autre, de celui qui, de vois, sentir l'unique en tous les cas, sûr, on en a besoin, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr que t'as besoin d'être l'unique. Mais du coup, ton meilleur pote, s'il a eu une relation avec ta femme avant, du coup, ça, il a été unique et toi t'es unique. Ah oui, il a été unique et toi t'es unique, ouais, c'est vrai. Ah, vu comme ça, ouais. Mais on le voit pas comme ça, c'est pas vrai, ça, c'est du voilage de face, quoi. Tu vois, t'as l'orgueil qui revient, je veux dire, c'est comme ça, c'est on est... Tu vois, t'auras beau essayer de changer la truc, je veux dire, demain, si je me tape ta femme, tu seras pas content, quoi, même si t'es plus avec elle aujourd'hui, j'y vais. Je serai l'unique, aussi, pareil. Elle me serrer la main. voilà, je me dis, des fois, il vaut mieux peut-être pas savoir tout, en tout cas. Et moi, je sais qu'avec mon ex, le papa de ma fille, on sait beaucoup, beaucoup de choses l'un sur l'autre, et peut-être trop, et du coup, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, on n'est pas ensemble, quoi, parce que je pense que
lui, il aurait peur d'eux, moi, j'aurais peur d'eux aussi. Et voilà, je pense que ouais, l'histoire personnelle, le passé, je ne sais pas si ça aide, quoi. Bah, sauf si t'es tombé dans de l'or et de l'amour et de la tendresse et de la... Et que du... Que un truc tout beau, tout rose et pas de cabossage. Voilà, mais je pense qu'on a tous un petit bleu par-ci, par-là et qu'on les garde et que ça ressort, quoi. C'est obligé, c'est naturel et voilà. J'avais déjà deux enfants, une maison, etc. Je pense que j'avais construit tout le paraître était construit, mais tout le reste, c'est-à-dire mon propre intérieur, mon intérieur à moi, enfin l'intérieur de ma maison, je pense que tout ça était pas vraiment bâti, très fragile, et du coup l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai fait les choses complètement dans le désordre. Moi, ça m'a pas convenu. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir faire les choses enfin peut-être dans l'ordre. Ce qui est un petit peu malheureux, c'est que du coup, il y a quand même deux enfants qui sont plus tout petits en plus maintenant, qui sont là et bien là, et que du coup, je pense qu'ils garderont des traces, bien sûr, de toutes ces difficultés, tous ces petits soucis que j'avais pas réglés avant. Et voilà, bon, après, on veut toujours être des parents parfaits, on sait que ça n'existe pas. Moi, mon chemin est celui-là. Je sais pas ce que mes enfants en retireront, mais effectivement, je pense que avant de se lancer dans une histoire de couple qui pourrait être solide, je pense qu'il faut être un peu solide soi-même. Le bonheur que mes parents nous ont donné avec ce couple qui s'entendait à merveille, eh bien finalement, ça a été le négatif pour moi. Parce que j'attendais la même chose. Et je ne pouvais pas penser que c'était autrement. Je ne supporte pas la colère, par exemple. Je supporte pas. Je pense qu'on peut se dire les choses sans se mettre en colère. Mais ça vient du fait que moi, j'ai vécu dans une famille où je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Et je croyais que le couple, c'était ça. Mes parents sont morts, mon père est mort à 92 ans, ma mère à 85 ans, je ne les ai jamais vus se disputer. Mon père est mort à côté de ma mère en lui tenant la main. À 80 ans, je les voyais, ils passaient dans un couloir et ils se bousculaient. Mon père ou ma mère disaient « Ah, péage !» Il fallait que l'autre embrasse l'autre, à plus de 80 ans. Et moi, je croyais que c'était ça. Voilà, l'amour, c'était ça. Et ça, je n'ai pas connu. Alors, la première fois que mon mari m'a dit « Merde !» Mais c'était la catastrophe. C'était un tsunami. Et si tes parents divorcés
Et j'ai toujours appréhendé le truc en me disant que ça allait forcément me tomber sur la tronche. Donc j'anticipe, j'ai construit mon couple en anticipant déjà des problèmes qui pour moi seraient presque, qui seraient presque incontournables. Et à l'inverse, mon conjoint, lui, il a une famille, ses parents sont toujours ensemble. C'est, voilà, quoi qu'il arrive, on s'engueule, c'est dur, on ne peut pas saquer, mais ils sont ensemble et puis ça doit rester comme ça. Donc pour lui, il n'a pas du tout les mêmes angoisses. Il n'a pas du tout les mêmes angoisses. Voilà, et moi, j'ai peur pour les enfants d'avoir un couple qui ne s'entend pas. Pour moi, c'est bien pire de rester ensemble si on ne s'entend pas. Pour lui, c'est pire d'être séparés, même si on ne s'entend pas. Et ça, ça vient clairement de notre schéma familial à la base, quoi. Et moi, mes parents, ça a été difficile pendant des années, jusqu'à ce que je sois moi, un adolescent. J'ai peu d'exemples dans mon entourage de couple. J'ai pas d'image positive de couple, en fait. Donc du coup, je suis resté un peu comme ça, avec une image négative, et je pense que tout est à construire pour ma part aujourd'hui sur une possibilité de trouver du positif dans une vie de couple à long terme. Quoi. Après, moi, je crois aux rencontres, à la vie, au cheminement et puis à l'autre aussi quand on se rencontre, c'est-à-dire qu'il y a le passé de chacun et puis après quand on rencontre quelqu'un on construit un autre couple aussi quoi. So long. It's true. Give me some of that good old